pour le glisser sur ton oreille. On a aussi le choix de suivre les gagnants ou de continuer avec les perdants. Et moi, je ne suis pas prêt à suivre les perdants. Une chose reste claire. Si vous ne plaidez pas pour une cause, vous tombez pour n'importe quoi. Et comme on ne peut pas tomber pour n'importe quoi, je me suis dit, ces dernières années, qu'il était temps pour moi aussi de militer dans un parti et d'apporter ma soutien et ma contribution intellectuelle. Et une fois cette résolution a été prise, j'ai dû faire un choix auprès de quel parti m'engager. Je me suis demandé. Bien évidemment, il ne m'a pas fallu réfléchir longtemps. L'UFDG s'est imposé. Parce qu'une fois qu'on est objectif et sincère et honnête avec soi-même, c'est le choix qui s'impose. En effet, s'il y a ces dernières années une formation politique dans notre pays qui se sera lâchée, avec constance et détermination pour faire advenir la démocratie vraie, c'est bien l'UFDG. Pas besoin d'aller lire dans un programme de société. La mobilisation constante durant toutes ces années, des nombreux sacrifices consentis au passage en sont une illustration parfaite. Par ailleurs, qu'il me soit permis de dire ici un mot sur le président de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, en l'occurrence, et la gestion de la. Je pense que c'est à son leadership, sa capacité à rassembler, son dévouement, que l'on doit sa grande force politique qu'elle porte. Je note aussi qu'il a une solide expérience et les compétences reconnues au plus haut niveau de notre administration et de l'État, au regard des défis en matière de réforme de notre pays. Cette maîtrise de l'administration est sans doute un atout qui n'est pas vraiment. Il y a par conséquent une chance de procéder. En fait, si j'ai un appel à avancer, c'est de dire aux chefs qu'il est temps de reconnaître notre grand parti, l'UFDG. Ceux qui sont dehors, qui hésitent encore avec eux, ou qui prennent le pas, je leur dis, venez vous joindre à l'UFDG. On a un rôle, un grand rôle derrière la journée dans l'alternance démocratique de notre pays. C'est pourquoi je dis ici, monsieur le président de la commission, que je me suis engagé à vos côtés à mener ce combat en ordre pour la liberté, la démocratie et le développement de notre pays. Je vous remercie.